Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de composition du deuxième trimestre de français pour les troisième année primaire. Alors avant de commencer, head la vidéo n'hdiha mon neveu Yed qui est en troisième année. On dit Yed n'tmenna lek kamel ttawfiq ou lek kamel les élèves de troisième année. Alors avant de commencer, nfakkarkom bli kont dertilkom déjà une vidéo de révision, fiha des exercices de révision. Rjou liha nkhlikom rabt taha fi sandouq el wasf ki tkemlou zidou rjou dirou les exercices de révision yfidoukom bzaf. Oula qbel ma tbdaou rjou dirou les exercices de révision kima habitou. Donc yfidoukom bzaf bzaf. Dertilkom tani une vidéo li tahassen lkom el khat taakom, l'écriture surtout du script en cursive. Kifach nqol une écriture du script, c'est-à-dire le livre, le cursive, c'est-à-dire l'écriture du cahier, c'est-à-dire attaché, l'écriture attachée. D'accord? Alors on commence tout de suite. Déjà, le nom et le prénom. Donc pour les troisième années, mon nom et mon prénom, c'est très important. Li mazal ma ya'rfch yekteb le nom et le prénom tawo, lazem yet'allem yektebhom avant la composition. D'accord? Alors, je prends la première question. Première question, qalt li je colorie. Je colorie. C'est quoi je colorie? Anta loun. Très bien. Alors, on va lire les couleurs. Et chaque motif men hadouma, on va le colorier la couleur li rahi mktouba hnaya. D'accord? Allez, on commence. Le premier motif, c'est une étoile. Ça, c'est une étoile. Donc, je dois colorier l'étoile. Je dois la colorier en vert. En vert. Vert. Ça, c'est le vert. D'accord? Alors, on va colorier l'étoile en vert. Très bien, voilà, j'ai colorié l'étoile en vert. Alors, je passe. Là, on dit un cercle. C'est un cercle. Je colorie le cercle en quoi? En rouge. Rouge, d'accord? Alors, je prends la couleur rouge et je colorie mon cercle. Très bien. Alors, avec la couleur rouge et j'ai colorié le cercle avec le rouge. Je passe au troisième motif qui est toujours une étoile. Cette fois-ci, je vais la colorier en bleu. 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 Alors, je prends la couleur bleu. Voilà. Ah, le bleu. Voici le bleu. Donc, et je colorie mon étoile en bleu. Très bien. J'ai terminé l'étoile en bleu. Je passe à un autre cercle, mais cette fois-ci, je vais le colorier en rose. En rose, alors, je prends la couleur rose et je colorie mon cercle. Très bien, j'ai colorié le cercle en rose. Je passe au dernier motif, qui est une autre étoile, mais cette fois-ci, elle est en jaune. Je la colorie en jaune. Alors, je vais colorier mon étoile en jaune. Et voilà. Alors, j'ai terminé avec la question numéro 1. Je passe à la question numéro 2. Où je traduis la question 2. Je complète. Je complète. C'est-à-dire, okmil. Okmil. Je complète par, nkmil bi, ou la o. Donc, ça, c'est le « ou », ça, c'est le « o ». Donc, je vais regarder l'image, je vais lire le mot et je vais voir est-ce qu'il manque le « ou là, il manque le « o ». D'accord? Donc, première image, regardez-moi ça. C'est une « pou »,« p » ou là, une « po »,« p ». Très bien. À la belle, « kam l'arftouha », c'est une « poupée. C'est une poupée. Très bien. Deuxième mot. Regardez-moi l'image. C'est un lavabo ou la lavabo. Très bien. La belle igarftoura, c'est un lavabo. Très, très bien.
Troisième image. Alors, ça, c'est un foulard ou la folard. Foulard ou folard, ça, c'est quoi? Bien sûr, c'est un foulard. C'est un foulard. Très bien. Le dernier mot, je suis sûre que Kamel, vous allez le connaître. Ça, c'est une poule ou là, une pole. Très bien, c'est une poule. Bravo. Je passe à la question numéro 3. Voici la question numéro 3. Je complète par. Donc, c'est la même chose. Je complète par. L'hnatani, c'est je complète par. Mais cette fois-ci, atani la lettre P et la lettre B. Donc, fi chaque mot, il va manquer le P ou là le B. Et on va voir. Donc, alors ça, on va regarder toujours l'image et on répond. Alors ça, c'est un PB, PB ou là un bébé. C'est un PB ou là un bébé. Très bien, c'est un bébé. C'est un bébé. Très, très bien. Ça, c'est un cartable ou là un cartable. Très bien, c'est un cartable. Très, très bien. Ça, c'est une porte ou là une porte. Très bien, c'est une porte. Ça, c'est un poisson ou là un boisson. Poisson. Boisson. Très bien, c'est un poisson. Un poisson. Bravo, bravo. Alors, on est arrivé à la question numéro 4. Mais Nafi, je complète par. Alors, maintenant, Andy, je complète par wa ou la wen. Wa ou wen. Allez, on va voir. Donc, regardez l'image. Alors, ça, c'est une voiture ou là une voiture. Bien sûr, c'est une voiture. Voiture. Bravo. Ça, c'est une armoire ou là armoire. C'est une armoire, bien sûr. Très bien. Je continue. Ça, c'est un coin ou là un quoi. Bien sûr, c'est un coin. Un coin. Très bien. Ça, c'est du foin. Donc, on a une petite erreur. Normalement, il faut. Normalement, on a un F. On a une douleur, mais on a un F. C'est pas grave. Donc, ça, c'est un. C'est du foin. D'accord? Très bien. Alors, on est arrivé à la question numéro 5. Je complète par F ou la V. F ou bien V. On regarde les images et on regarde les mots. Donc ça, c'est un félo ou là un vélo. Très bien, c'est un vélo. Bravo, un vélo. Ça, c'est une fraise ou là une vraise. C'est une fraise. Très bien, fraise. Ça, c'est une valise ou là une valise. Très bien, c'est une valise. Ça, c'est une fâche ou là une vache. Très bien, c'est une vache. Bravo. Alors, la question numéro 6. Je complète par. Attention, les deux sons perdent le « en ». Donc, le « en » avec « an », je le prononce « en ». « En ». Hagda. Hedaya avec « on », je le prononce « on ». « On ». Donc, ça, c'est « en ». Ça, c'est « on ». D'accord? Donc, l'hnaya, je dis, ça c'est un pantalon. Pantalon. Alors, je vais mettre A-N. Très bien. Ça, c'est un éléphant. Éléphant. Pas éléphant. Éléphant. Alors, je vais mettre A-N. Ça, c'est un bonbon. C'est un bonbon. Pas bonbon. Alors, je vais mettre O-N. Ça, c'est un mouton. Mouton. Pas mouton. Pas mouton. Mouton. Avec O-N. Très bien. Alors, on est arrivé à la question numéro 7. La question numéro 7.
Je complète toujours par yon ou bien un c. Donc, les mots hadouma, yaima, il va manquer le son yon, yaima, il va manquer la lettre c. On va voir. Alors, ça, c'est une télévision. Très bien. Télévision. Alors, c'est ce qui manque, c'est le son yon. Très bien. Ça, c'est quoi? C'est un avion. Avion. Très bien. Alors, je vais mettre le son yon. Ça, c'est quoi? C'est un chocolat. Très bien. Chocolat. Alors, il me manque la lettre C. Chocolat. Très bien. Ça, c'est une casserole. Casserole. Alors, ce qui manque, c'est la lettre C. Très, très bien. Alors, on est arrivé à la huitième question. La huitième question, vous avez fait à l'école les salés et les sucrés, c'est-à-dire les plats qui sont salés, le melhin, et les plats qui sont sucrés, le halloween. Alors, l'ehna, il m'a donné deux plats. Les salés, c'est ça ou là c'est ça? Donc, bien sûr, les bonbons, ils ne sont pas salés. Alors, je vais mettre une flèche ici. Très bien. Les sucrés, alors, le sucré, c'est le fromage. Ou là, une petite tarte, c'est quoi qui est sucré? C'est la petite tarte. Alors, je vais mettre la flèche ici. D'accord? Alors, on est arrivé à la dernière question. La dernière question, c'est une question d'écriture. Ali, j'écris. J'écris, c'est-à-dire je vais réécrire la phrase. Donc, on a d'habitude, il dit comme une phrase en script, ou il dit que tu l'écris en cursive. Mais on va aller directement en cursive. Alors, on va juste la réécrire. Bien sûr, qui m'a comme une vidéo, là, l'écriture, alors là, on va juste réécrire la phrase de la même façon. Donc, là, je vais juste rectifier. Là, normalement, la phrase, elle commence toujours par une majuscule. Ça, vous le connaissez. Elle commence avec une majuscule. Donc, le T, je vais écrire un T majuscule. Un T majuscule. Donc, après, je vais écrire la lettre A. On va dans le T. Après, c'est le A. Donc, c'est Tata. Tata. Fatima. Fatima. À la benabli, les noms propres, les noms de personnes, ils commencent avec une majuscule, avec le A. Alors, le F, kif kif nsanho. Je l'écris en majuscule. F, majuscule, et je continue. Fa, ti, ma, je respecte les interlignes. Nahtarum hadouma les interlignes. Une lettre li tahbes la première interligne, ma kella ntallaha lehna. Une lettre li tatla ma kella nhabesha lehna bach tji lktiba tta3i mtnasqa, d'accord? Donc E, E S T, E S T. En face. F face. Déjà là, il y a le E, tel le deuxième, alors que non. Normalement, on est sur la première interligne. Deux, ah, ou le deux. La, ah, il y a le pharmacie. Ah, il y a le pharmacie que je n'écoute pas. Le A, le R, le M, A, C, I, E. Voilà, donc on a terminé avec ce sujet et cette révision. J'espère que vous avez compris. Il a ajouté comme la vidéo, vous mettez un petit j'aime, les mains, je me stèle, comme à la flouka, je vous dis au revoir et à la prochaine.